allez-vous vous positionner au niveau politique? Tout le monde se pose cette question. Normalement, moi j'étais donc sur la liste électorale de Entafid, donc je vais respecter le choix des Tripolitains, tout en disant que j'étais normalement comme indépendant sur la liste. Donc je vais respecter, bien sûr, le choix des gens qui ont voté pour Entafid, ok, et les gens qui ont voté pour moi aussi. C'est-à-dire, vous savez comment est réparti le Parlement? Comment vous positionnez-vous? Il y a un problème de vocabulaire au niveau politique libanais. Donc, toujours, et on qualifie les gens ou bien 8 mars ou bien 14 mars. Moi, je suis contre ça. Donc, pour moi, je suis d'origine libanaise, d'origine tripolitaine. Donc, j'ai mes lignes rouges en ce qui concerne donc, toutes les bonnes relations avec tous les Arabes en première place. La Syrie, donc, et je suis avec toutes les armes qui sont contre Israël. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais vos déclarations, pour l'instant, montrent que vous êtes plutôt du côté du 8 mars. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. C'est mon choix politique. Mais vous avez présenté un recours contre la tête de votre propre liste, Monsieur Fenge. Vous trouvez pas que c'est étonnant? Non, c'était pas un recours contre Fenge. On était coincés par le temps. Et... quand on a vu ce qui se passait, donc il fallait faire ça pour prévenir, comment dire ça, donc d'aller à une élection, partielle, c'est tout. Mais vous avez quand même présenté un recours contre votre propre tête de liste. C'était pas, c'est en arabe on dit tadakhul batan, c'était pas contre Monsieur Rami Fanch. Il n'y a rien contre Rami Fanch dans les dossiers qu'on a présentés. Mais en résultat, il a perdu sa députation. Mais on était sur la même liste, donc Entafid a toujours gardé sa position. Okay. Oui, mais lui n'est plus député. Normalement, on a toute confiance en notre juge libanais. Et ils ont décidé comme ça, il faut respecter le choix.